On vient d'apprendre que Xavier Dupont de Ligonnès vient d'être arrêté en Écosse, ou alors un homme lui ressemblant énormément. Donc en Écosse, à Glasgow, où il se trouvait, il est arrêté par les autorités britanniques dans cette partie de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne. Alors, qui est Xavier Ligonnès? C'est un militaire qui vient d'une famille aristocratique et qui, on l'apprenait en 2011, aurait complètement, on devrait dire, assassiné sa famille. Il aurait tué tous ses enfants, femmes et enfants. Il était marié et avait trois enfants avec sa femme, avec la femme d'alors Xavier Dupont de Ligonnès, on dit, hein. Femme avec d'ailleurs laquelle il ne vivait plus. Il avait une maîtresse. Donc ça s'est passé, comme je le disais, en 2011, et c'est un feuilleton, si vous me permettez le mot, qui a fasciné la France. C'était vraiment aussi une tragédie. Il avait non seulement tué sa femme, mais il avait aussi tué ses chiens. Donc il avait appelé ses enfants aînés qui se trouvaient dans d'autres villes de France et les avait tout simplement assassinés. Ça, j'arrive pas à y croire non plus. C'est un feuilleton, mais macabre, bien sûr, mais triste et à suspense. Personnellement, je pensais qu'il était mort. Je ne pensais pas qu'il puisse être vivant. Or, il se trouve que la personne qu'on a arrêtée, qui d'après certaines sources ressemblerait étrangement à Monsieur Dupont de Ligonnès, aurait refait sa vie avec une autre femme, tout simplement. Ça me choque énormément. Là, dernièrement, il y a des personnes qui, des amis proches, soi-disant, de Dupont de Ligonnès, qui se disent choqués, qui se disent qu'ils ne pensaient pas qu'il puisse être retrouvé, qu'on le pensait mort quelque part, comme tout le monde d'ailleurs, comme moi, comme je vous le disais, et qui sortent de tous les coins pour témoigner. Bon, c'est triste, mais j'espère que sincèrement, on pourra avoir en fait une réponse par rapport à la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire pourquoi? Pourquoi avoir sacrifié sa famille? Pourquoi les avoir tués aussi lâchement, les enfants, les chiens, la femme? Pourquoi? Et lui, pourquoi est-il resté vivant? On ne comprend pas. Donc voilà mon commentaire par rapport à Xavier Dupont de Ligonnès. Et si vous avez, vous souhaitez rajouter quelque chose, n'hésitez pas s'il vous plaît à le faire. Et cliquez sur like et vous enregistrez pour plus de vidéos. Merci. Enfin, je voulais enfin rajouter cette petite actu. En fait, la personne qui a été arrêtée ne serait pas Xavier Dupont de Ligonnès, comme tout le monde le pensait. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Le mystère reste entier. Donc la théorie de conspiration va encore rester bien présente et bien réelle. Est-ce que c'était lui et qu'on ne veut pas le relâcher, on ne veut pas le dire, ou alors est-ce que ce n'était pas lui et qu'il est vraiment mort, comme on le disait auparavant? Mystère et boule de gomme. Voilà, c'était tout. Merci.